hexagatanées. Ok. La première. Voilà. Je suis sur le côté. Ok. Je pars avec un bras. Là. Ce bras, il est contrôlé. Je ne le contrôle pas par-dessous. Pourquoi ? Son articulation, elle se plie. Je ne vais pas aller dans le sens de l'articulation. Donc, par-dessus. Je contrôle l'épaule, là. Bien bloqué sous les selles. Pourquoi ? Parce que c'est bien fort. Je vais mettre ma main sous la tête. Et ça ne s'arrête pas là. Il me reste tout mon corps à gérer. Il ne faut pas oublier que lui... il a les bras de libre. Voilà. Et surtout, la jambes aussi, dans cette position. Voilà, d'accord. Donc pour éviter tout ça, la main, pour éviter de nous prendre un taquet dans la tête, et qu'est-ce que je fais? Je descends à l'opposé. Et mes jambes écartées, en statique, bien fort. Pourquoi écartées? Pour être stable. Si par là-bas, ça la bloque. Si par là-bas, je peux bloquer là-bas. Et après, je joue avec les jambes. Un équilibre. Et je bloque en bas. Poids du corps et je verrouille. Ça, c'est la première. Ongeza Gatame. Ensuite, je pars en Kamishio Gatame. Dans Kamishio Gatame, qu'est-ce qu'on entend? Gatame, c'est une invitation, c'est commun à tous les noms. Ongeza Gatame, Kamishio. Qu'est-ce qu'on entend? Shio. C'est quoi un Shio? Un chien, c'est à quelle position? Quatre pattes. Donc c'est très simple. Manger. Je suis derrière lui. Je suis à quatre pattes. Pareil, poids du corps, il a des bras, il a des jambes, j'ai mon poids du corps, je dois contrôler. Le point commun, c'est quoi? Poitrine. Je descends. Ceinture. Je viens verrouiller, je ferme. Pourquoi je viens verrouiller? Parce que lui, il a ses bras de libre, mes genoux à côté de ses oreilles. Je descends fort. Et les bras verrouillés, pourquoi? Parce que même s'il veut travailler avec, hop, il est coincé. Et mes jambes, pareil, on verrouille parce que lui, là, c'est les jambes qui bougent. Je compense, là. Hop. Voilà. D'accord. Et même s'il veut utiliser les bras, vas-y, n'importe comment. Moi, les bras, ça le gêne, là. Ça bloque. Là. D'accord. Ensuite, on a eu Shiro des Agatamés. Le Shiro des Agatamés, c'est très simple, on parle de Camille. On y est déjà. Là. D'accord? Sans perdre le contrôle. Parce que là, sur la première, j'ai pas perdu le contrôle. Parce que là, on se concentre uniquement sur les immobilisations. Mais l'idée, c'est quoi? Je suis là. Je choisis mon côté, n'importe lequel, c'est pareil. Je viens lâcher, j'entoure par-dessus. Et là, pareil, l'articulation va dans quel sens? Il vient vers moi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous verrouiller là, mais de l'autre côté, et je viens bloquer. Je viens sous l'épaule, verrouiller. Une fois que je me sens fort, je descends, je viens glisser. J'ai pas lâché la ceinture là. Et même chose, toujours pareil. J'ai des jambes, j'ai le poids du corps. Par contre là, gros danger, derrière il n'y a rien. Donc du coup, je pars vers l'avant. Ici, là, fort. Là. Et mon coude bloque derrière. C'est mon coude qui bloque, alors je ne vous dis pas là. Hop, ce coude. Il me sert aussi d'appui au plus du contrôle. Là. D'accord? Mais je vais tourner vers lui là. Hop. Ici, s'il faut, je compense. Ensuite, j'ai Yoko et Shogatame. Yoko, il y a quoi? Non, non, ça ressemble presque à la boucle. Yoko, c'est côté. Côté. Yoko, ton lagué. Yoko, Shogatame. En plus, j'ai retrouvé Shio. On retrouve encore 4 pattes. Et côté, donc maintenant côté, 4 pattes. Même chose, je viens ici, fort. Alors il y en a qui prennent la jupe, le bas de la veste, il y en a qui prennent la ceinture, il y en a qui prennent la cuisse, ça c'est à vous de voir en fonction de comment vous êtes fort. Cette main, je viens ici derrière, là, et là pareil, je contrôle, et mes genoux stables, et là cette main, alors cette main c'est pareil, il va venir là, donc là il y a un truc de fort. Attention, pour réfléchir, si je tourne la tête vers là, j'ai envie qu'il ne mette que les taquets. Je prends le risque, tant mieux pour moi. Donc je suis intelligent, je tourne de l'autre. Comme ça, s'il faut pousser, je pousse. D'accord? Et là, je pousse, là. Et la tête, pour éviter qu'il mette les jambes, je descends, là. D'accord? Ça dérouille.
Ensuite, j'ai tâté les chevettes à main à cheval. Je verrouille les jambes. Et là, alors, il y a plusieurs écoles. Pareil, j'ai ses bras. L'idée, c'est de immobiliser. Donc, vous descendez, là, tu vas être à l'aise comme ça. Tati Shugatame, bon, là, tu vas être à l'aise comme ça. Là, tu vas être à l'aise comme ça. On va dire qu'entre Tati et les Kuzure, c'est très simple. C'est une variante. Ça, c'est pareil, pour le retenir. Je vous apprends Yoko Shugatame, comme ça. Et bien ça, Kuzure, Yoko Shugatame. Variante de Yoko Shugatame. Je vous apprends Yoko comme ça. Vous vous retrouvez comme ça, je ne sais pas, hein, un exemple. Hein. On reste de côté, ici, Kuzure, Yoko Shugatame. J'ai une jambe pliée, pas l'autre. Ok. Je vous apprends Camille comme ça. Vous vous retrouvez comme ça. Kuzure, Camille Shugatame. Les Kuzure, c'est très simple. C'est une variante. C'est-à-dire que vous prenez les modifications de base, vous venez modifier quelque chose. C'est pour ça qu'au niveau de l'enseignement, c'est un peu plus délicat. Parce que ça, c'est plus à la manière d'enseigner du professeur. Il met des immobilisations comme sur le professeur grand, large, petit, beau, pas beau. Les immobilisations, c'est le même pour tous. Les Kuzure, comme on l'indique, varient. D'accord? Donc moi, je vous demande les 5. Rogé Zagatame, Ami Shogatame, Mushiro Gezagatame, Yoko Shogatame, Tate Shogatame. Avec les mots. C'est tout. Après, si ça se passe bien, on va aller. On va faire autre chose. Ok? Allez, on y va!